Marion Maréchal s'apprête à passer devant le maire pour la deuxième fois. En effet, la nièce de Marine Le Pen va épouser son compagnon, Vincenzo Sofo, samedi 11 septembre 2021, selon les informations du Parisien. Alors que cette union devait se tenir en Italie, pays d'où est originaire l'homme dont elle est amoureuse, elle aura finalement lieu en région parisienne, à cause de la Covid-19. Pour cette occasion, la présidente du Rassemblement national ne sera pas présente. La date du mariage dont le même jour qu'un conseil national élargi du RN, au cours duquel elle devrait annoncer qu'elle passera le relais à Jordan Bardella à la présidence du parti. Si cette réunion ne doit pas durer toute la journée, Marine Le Pen a également prévu, toujours ce même jour, de participer à un atelier de l'Institut de formation des élus locaux, IFOREL, l'organisme de formation du RN ainsi qu'à une rencontre avec les journalistes puis à une soirée de gala. Mais il semblerait que la non-présence de l'élu arrange beaucoup de monde. Ça arrange tout le monde que le mariage et Fréjus se déroulent en même temps, a assuré un invité au mariage, toujours dans les colonnes du quotidien, alors que Marion Maréchal et Marine Le Pen ne semblent pas entretenir de bons rapports ces derniers temps. Le mariage était fixé avant. Ceux qui ont calé la date de Fréjus étaient au courant en tous les cas, a encore assuré un autre proche du clan Le Pen. Au contraire, une autre personne a assuré que ma date du Conseil national n'avait pas été choisie pour faire de l'ombre au mariage de Marion Maréchal. De son côté, Jean-Marie Le Pen n'a pas souhaité répondre sur sa présence ou non au mariage. Quel est l'âge du futur mari de Marion Maréchal? Pour rappel, Marion Maréchal et Vincenzo Sofo filent le parfait amour depuis mars 2016, lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'occasion d'une rencontre publique avec Matteo Salvini, patron de la Lega, à laquelle l'homme de 34 ans a adhéré en 2009. Dernièrement, il a quitté ce parti pour rejoindre son rival de frère d'Italie.